terre sur, sur cette ozosphère. C'est quoi ton prénom? Bah écoute, je m'appelle Denis. Ça fait 14 ans que je suis sur la scène techno, tout ça. Et ça faisait quelques années que j'avais pas fait d'ozosphère, un peu blasé du truc, tout ça. Quand ils ont arrêté de faire ça au quartier gare où c'était mon rendez-vous de référence tous les ans, pendant 10 ans facilement, quoi. Je suis venu un peu par hasard ce soir, enfin non pas par hasard parce que la prog elle me plaisait vraiment et je m'attendais à être un peu déçu ou un peu voir des trucs un peu timides et tout, et les deux DJ que j'ai vus, DJ Koz et Gazafelstein, bah, ça m'a beaucoup plu quoi, et c'est des mecs qui se cassent les couilles sur derrière les platines et ça fait bien plaisir à voir quoi. D'être un petit peu conformiste ou un peu classique dans ses choix, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah, c'est exactement ce que j'aurais eu tendance à dire avant, surtout par rapport à leur prog qu'ils font maintenant. Leur prog, elle est vraiment très classique, c'est beaucoup de gens qu'on voit dans tous les festivals comme ça, mais là, comme dit, les deux sets que j'ai vus, DJ Koz et Gazafelstein, c'est vraiment des mecs, ils jouent pour du festival, mais ça n'a absolument rien à voir avec un DJ set de festival de base, quoi. Ça valait le coup, quoi. Et honnêtement, là, je pourrais pas critiquer Ozosphère, même si j'en ai très envie. Et alors, est-ce que tu reviens demain? Non, je reviens pas demain, mais c'est déjà pas mal, je suis content.